12 innovations technologiques ont été apportées par Schoolab pour révolutionner le système éducatif congolais afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et étudiants congolais. Ces exploits ont été vivement salués par les partenaires du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Lundi, lors d'une conférence de presse, les responsables de ces start-up congolais ont fixé l'opinion nationale et internationale sur la vision de cette structure qui envisage proposer encore d'autres innovations pour booster les conditions d'études des élèves congolais. Durant ses 5 ans d'existence et d'expérience en RDC, son apport est considérable dans le secteur de l'éducation. La start-up congolaise Schoolab a pu apporter 12 importantes grandes innovations qui ont révolutionné le système éducatif congolais en vue de permettre aux élèves et aux partenaires éducatifs d'exploiter les différentes plateformes d'enseignement à distance pour écoles et universités, mais aussi de trouver des contenus éducatifs officiels. C'est donc une fierté pour les membres de cette entreprise de contribuer à la révolution numérique de la façon dont les élèves et étudiants congolais apprennent en ce 21e siècle. C'est un motif de satisfaction et de fierté parce que pas seulement que nous accompagnons ce que le gouvernement a fait, mais nous-mêmes aussi nous voulons un peu apporter un plus dans ce qui est déjà faisable, qui se fait déjà d'habitude. Donc c'est une fierté, mais on ne s'assoit pas sur nos lauriers et nous continuons à penser et à innover encore et plus. Cette entreprise, portée par Pascal Kanik, s'impose déjà en référence en RDC. En se plaçant en acteur d'éducation, Schoolab propose d'accéder aux leçons et cours correspondants aux programmes éducatifs nationaux et validés par des professionnels de l'enseignement. Schoolab offre également une diversité de services numériques visant à améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Elle envisage en outre proposer aux acteurs concernés des classes futuristes. Certifier, donner des diplômes aux apprenants, mais cette école qui va donner des compétences, développer les compétences des apprenants, mais les compétences qui doivent être utilisées dans les communautés locales de base. Parce qu'il ne sert à rien d'apprendre, d'étudier pour ne rien faire de ces études-là. Donc Schoolab est en train de penser à l'école du futur, qui ne sera pas figée sur un programme national, mais qui sera une école qui offre les possibilités, les possibilités à chaque apprenant de choisir ce qu'il veut apprendre et d'en faire bon usage. Schoolab représente un réel produit nouveau en RDC, ce qui lui a valu jusqu'à présent de remporter 3 prix à l'échelle locale et 2 prix à l'échelle internationale. Schoolab étend ses racines sur les continents pour briser les inégalités dans l'accès à l'éducation de qualité, avec l'ambition d'atteindre la majorité des pays africains d'ici à 2030.